C'est bien que vous êtes des millions à nous regarder, mais essayez de faire le moins de bruit possible, s'il vous plaît. C'est très important. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de quelqu'un qu'on aime bien. Une fille, en plus, qu'on connaît depuis longtemps. Lara Croft. Donc, avec moi, tous ensemble. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Plus fort, les non-alex. Joyeux anniversaire, Lara Croft! Joyeux anniversaire! Allez, souffle! Ouais, je dis un peu fort avec Thomas, souffle! Tu veux pas? Ah, je suis désolé. Bah, pourquoi tu veux pas aller? On fête son 10e anniversaire en plus, regardez. Voilà, aujourd'hui on va tester ça. Tomb Raider 10e anniversaire. Un très bon jeu, Tomb Raider, alors que ça n'a pas toujours été le cas. Alors tu pourrais faire un effort. En plus, on t'a acheté un gâteau magnifique. Tout le budget de nos lives y est passé, crois-moi. Alors, s'il te plaît, fais un effort. Mais quelle tête de mule, tu veux pas? Tu veux pas ton gâteau? Eh ben tant pis, on va se le manger nous-mêmes son gâteau, tant pis. Bon, suivez-moi. Oh, tu vas voir. Je suis désolé, je sais pas ce qui lui arrive, on s'entend plutôt bien d'habitude. Ça se passe bien, elle est plutôt amicale, plutôt sympathique, on partage plein de choses et tout. Même une certaine intimité, je crois qu'on peut le dire. Mais là, je sais pas, fais la tronche. C'est une fille, hein. Les filles, souvent, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, on a le gâteau. On a le jeu, surtout. Donc, on va s'y mettre. Ça s'appelle donc Tomb Raider Anniversary, c'est sur PlayStation 2 que ça se passe. Voilà, tiens, on voit, j'ai tout allumé déjà. Comme ça, on est tranquille. Installez-vous. Regardez, on a le gâteau, superbe. Bah, puisqu'elle veut pas le souffler, tu veux pas le souffler? Tiens, tourne-toi, regarde-nous au moins. Voilà. Oh, faut pas que je souffle. Elle veut pas souffler son gâteau, on va le souffler pour elle. Alors, joyeux anniversaire, Lara. Et voilà le travail. Et le gâteau, je me le mangerai à la fin. Je me le mets de côté. Bon, très bien, c'est pas le tout, mais on a du boulot. L'idée, c'était de jouer aujourd'hui donc à Tomb Raider 10e anniversaire sur PlayStation 2, et non pas 3, curieusement. Ils l'ont pas sorti sur PlayStation 3. Peut-être qu'il y aura une version encore plus élaborée, mais déjà, celle-là est assez réussie. Regardez, peut-être que ça va vous rappeler des bons souvenirs. C'est tout simplement un remake de la première version, du tout premier Tomb Raider, celui qu'on a tous aimé. Sur PlayStation 1, PlayStation première du nom. Et comme déjà à l'époque, voilà, il faut flinguer des loups, ça n'a pas changé. Y a des gens qui pensent que c'est des chiens, alors ils ont toujours des scrupules. Ceci dit, des loups, il n'en reste pas beaucoup, donc c'est un peu con de les flinguer. Pour le moment, c'est eux qui sont en train de me flinguer. J'ai jamais tellement aimé les combats dans Tomb Raider. Moi, j'aime bien l'exploration et tout, mais les combats, ça m'a un peu saoulé. Regardez comme c'est beau, cette cascade qui dégouline du haut de l'écran. Je trouve ça fabuleux. Il y a des rouages sur le côté. Regardez un peu la technique et tout, c'est super. Vraiment, graphiquement, c'est super. Il y a une espèce de halo brumeux qui est très joli. Vous regardez les fesses de Lara, en fait, c'est ça? D'accord, je zoome un petit peu, voilà, pour vous faire plaisir. Vous voulez la voir de plus près? On va aller la mettre contre un mur et on va faire le tour un petit peu, histoire de la regarder sous toutes les coutures. Alors, la natte, chaque année, ils amélioraient que la natte. Maintenant, ils ont un peu tout amélioré. Je la trouve vraiment superbe. Elle a un joli petit minois. Ils ont arrêté d'augmenter la taille de ses seins. Ils ont fait un beau petit truc. Bon, c'est pas le tout, on va partir dans l'aventure. Je vais avoir besoin d'aller chercher un rouage. Ah si, juste un truc pour vous faire rire. Je vais la faire nager un tout petit peu. Juste pour vous faire voir que quand elle sort de l'eau, après elle est mouillée. Là on vient de la voir et elle était sèche. Maintenant on va la voir mouillée, regardez. Son petit t-shirt est un peu plus sombre. Et je sais pas si ça se voit bien. Voilà, vous voyez comme ça luit. On dirait qu'elle est carrément en silicone. Ça luit sur elle, mais voilà, les cheveux un petit peu mouillés et tout ça. Donc ce genre de détails, c'est quand même sympa. J'irai récupérer cet engrenage et on va aller en chercher un autre qui se trouve un petit peu plus haut. Alors regardez, on longe la cascade et vous allez voir que c'est quand même autrement plus jouable qu'avant. Avant, c'était assez laborieux, il fallait être très précis dans les mouvements. Maintenant, ils sont un petit peu moins exigeants, la tendance à se rattraper, même in extremis un peu partout. Si vraiment vous avez abusé, que vous avez un peu raté votre saut, on vous demandera de tapoter sur triangle pour se rattraper un peu mieux. Et en général, ça se passe bien, donc beaucoup plus jouable que les précédents épisodes. Bon, souvenez-vous, Tomb Raider 1, c'était génial, c'était la révélation vraiment, c'était la première fois qu'on avait des graphismes en 3D qu'on pouvait explorer, on pouvait lever la tête, regarder partout et tout, c'était super. C'était grandiose en plus, les décors étaient fabuleux, ça a vraiment marqué son époque. Et puis après, il y a eu Tomb Raider 2, qui avait gardé tous les défauts du premier, c'est-à-dire une jouabilité très approximative, vraiment pénible parfois même. Simplement, ils avaient un peu augmenté la taille des seins de Lara, et ils avaient surtout augmenté la difficulté. Ce qui fait qu'après, Tomb Raider 2, 3 et tout, c'était beaucoup trop dur, c'était compliqué et tout, et on a perdu le charme des Tomb Raider pendant longtemps.
jusqu'à Tomb Raider Legend l'année dernière, qui reprenait en fait le moteur qu'on retrouve ici. C'était le précurseur, quoi. Comment m'expliquer correctement ? Je m'excuse, hein, des fois je bafouille. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu Tomb Raider Legend l'année dernière avec un moteur de jeu qui est celui-ci, qui a été réutilisé pour Tomb Raider Anniversary. Voilà, c'est pas compliqué pourtant. Alors regardez, par exemple, elle peut loquer une cible avec ses flingues, il suffit de regarder et de tirer. Voilà, là j'ai fait tomber ce pont, je vais pouvoir m'y agripper. Elle a aussi un grappin, qu'on verra tout à l'heure, et quelques nouveaux mouvements que je vous propose de découvrir. Oula, faut pas que j'aille par là du tout, faut que j'aille là, et que je rate pas mon saut. Des nouveaux mouvements et des anciens aussi. Souvenez-vous, il y avait des petites astuces, je vais vous faire voir un truc là, regardez. Soit on remonte, là je suis suspendu, soit je remonte comme ça, simplement. D'accord ? Soit je remonte gracieusement, il y a une petite astuce, je vous laisse la trouver chez vous, regardez. Oh ! Un petit soleil. Vous pouvez faire ça dans la première version déjà. Donc ils ont gardé des petits clins d'œil aux fans. Je trouve ça très sympa. Alors regardez, le grappin. Je saute en l'air et hop, je me rattrape in extremis. Et je vais pouvoir me balancer pour atteindre la corniche. Ici, on vient de se prendre le popotin de Lara dans la tête. Ça fait tout drôle. Il était limite mon saut. J'ai été ému par ce coup de fesse. Du coup, j'ai pas tellement surveillé son saut. Donc vous voyez, c'est quand même rapide et tout. Faut être prudent, hein. Là j'essaye quand même, je vous parle et en même temps j'essaie d'être très prudent parce que vous avez quand même pas tellement le droit à l'erreur. Il faut faire attention à tout ce qu'on va faire. Alors regardez, là il y a des engrenages, il va falloir récupérer des engrenages, il y a toujours des énigmes dans les Tomb Raider et c'est ça qui est bien. Moi, autant les combats me saoulent, autant les énigmes je les trouve super. Donc il faut récupérer des engrenages. Ah, chauve-souris me tire dessus. Alors ça je déteste, vous voyez, on les voit pas arriver. Quand je disais que j'aimais pas les combats, on sait pas trop d'où elles sortent, on a du mal à loquer la cible et tout. C'est un peu pénible. Par contre, tout ce qui est acrobatie, hop là. Là, c'est très réussi. Hop, regardez ça, c'est quand même magnifique ce qu'elle fait là. Et je vais essayer de sauter sur la corniche, serrant les fesses, parce que c'est pas évident. Regardez, c'est super quand même les effets de l'eau et tout, sa façon de grimper. On est arrivé sur le côté, voilà. Donc c'est un remake du premier épisode, du tout premier, tout simplement. On retrouve les mêmes trucs, en gros, les mêmes décors, les mêmes personnages et tout, avec de nouvelles énigmes, tout simplement. Ah là, j'ai un petit levier, je vais l'abaisser, ça va ouvrir un passage secret un peu plus bas. Regardez, c'est sous l'eau que ça se passe. Je pourrais aller nager sous l'eau et récupérer, je sais plus ce que c'est. Il y a des reliques qui sont cachées un petit peu partout, il faut aller les choper. On s'en fout un peu des reliques, ce que je vais faire, c'est que je vais plonger dans l'eau, et on va redescendre à la cascade, tout simplement. On va aller en bas, je vais me laisser tomber dans l'eau. Vous voyez cette espèce de grosse porte qu'il y a au-dessus là, il faudrait que j'arrive à la baisser avec tout un système d'écluses et tout ça. C'est ce qui me permettra de terminer le niveau. Mais je voudrais vous faire voir un autre truc avant. Je vais sortir de là. Je pense que je vais être attaqué par des loups. Parce que des fois j'ai des prémonitions comme ça. Vous entendez ce cri, ce bruit? Je me doutais, je sais pas pourquoi. Voilà, donc quand on est dans des endroits assez larges pour les bastons, ça va. Dès qu'on est dans des endroits un peu étriqués, c'est le cauchemar, on se tombe dans les murs, on sait pas trop ce qu'on fait, voilà. Donc j'essaye de faire quelques acrobaties pour m'en sortir. En sautant, on s'en sort toujours. Mais je trouve vraiment que les combats sont un peu confus. Voilà, donc qu'est-ce que je voulais vous faire voir? Une petite surprise. Regardez ce que j'ai retrouvé là. Tomb Raider PlayStation 1, premier du nom. Alors hop, je l'ai chargé sur la PlayStation. Et regardez. Voilà avec quoi on jouait à l'époque. Alors à l'époque, ce que vous étiez peut-être en train de vous dire, bah c'est bien gentil, mais c'est un remake, c'est la même chose qu'à l'époque. Eh ben regardez si c'est la même chose. Parce que dans notre souvenir, c'est super beau, mais en réalité, c'est quand même super pixelisé, les textures sont moches, enfin, il a plein de défauts ce jeu en fait. Mais pour l'époque, c'était absolument révolutionnaire. Donc je ne vais pas en dire du mal, je vais essayer de pas mourir surtout. Parce que je vais essayer de vous refaire tout ce qu'on vient de faire là, avec la cascade et tout. Je vais essayer de vous en faire voir une petite partie. Comme ça, on pourra comparer les deux niveaux. C'est sympa! Moi j'aime bien, en plus j'avais gardé, c'est une vraie relique hein, le premier Tomb Raider, je l'avais gardé. Donc là aussi il y a des loups, ils sont moins bien dessinés, mais plus faciles à tuer je trouve. Voilà. Enfin quand je dis plus facile, c'est pas gagné non plus. Alors elle loquait, à l'époque, elle loquait automatiquement la cible. Loquait c'est de l'anglais loquer une cible, c'est-à-dire accrocher, je sais pas comment on dit, accrocher une cible, voilà. C'est-à-dire verrouiller, voilà c'est ça l'anglais, je fais des progrès à vue d'œil. C'est verrouiller une cible. Voilà, regardez la cascade. C'est dingue, c'est la même cascade, hein. Je peux vous faire le petit comparatif, regardez. Voilà, le même endroit, sauf qu'il y a des engrenages là-haut et une échelle que... Vous regardez les seins de Lara. Vous êtes énervant, je vous fais voir le décor, vous regardez les seins de Lara. Vous êtes vraiment incorrigible, hein. Que je ne vous y reprenne plus. Regardez les rouages derrière, s'il vous plaît, faites un effort, voilà.
Il y a des rouages, on va y aller tout à l'heure, et c'est des rouages qui sont à côté de la cascade, vous voyez, on est monté là sur la gauche tout à l'heure, et dans la version d'origine, clac, regardez bien, pas de rouages, du tout, rien du tout. Donc en gros, c'est les mêmes niveaux à peu près, donc on retrouve des bons souvenirs de quand on était petit, mais avec une jouabilité améliorée, des énigmes complètement différentes, donc vous n'allez pas refaire le même jeu, mais cette sensation de, voilà, de dire, ah ouais, j'avais oublié le gorille et tout, les tyrannosaures, enfin voilà. Alors par contre, là, quand on ressort le jeu de l'époque, bah on a la jouabilité de l'époque, c'est-à-dire c'est une manette analogique, vous voyez, j'utilise pas le... c'est le petit pad, c'est pas la manette analogique, pardon. Donc ça fait un peu bizarre, et puis surtout, bah c'est pas très très maniable, vous voyez. Et elle scanne contre un mur. Et quand elle scanne contre un mur, on a beau appuyer vers l'avant, elle bouge pas. Elle pourrait pas longer le mur comme elle le fait aujourd'hui. Et ils ont attendu je ne sais combien de Tomb Raider avant de corriger, par exemple, ce genre de défaut de jouabilité qui était super pénible. Le même éditeur, Eidos, dans le même temps sortait des jeux comme Soul River où c'était presque le même moteur de jeu et les défauts étaient corrigés, c'est-à-dire qu'il se cognait pas contre les murs, il avait pas du mal à bouger les caisses comme Lara a du mal à bouger les caisses. C'est pas une contrepétrie, hein, bouger les caisses. Voilà, donc le même éditeur sortait des jeux avec des défauts de Tomb Raider corrigés et Tomb Raider continuait toujours à avoir les mêmes défauts. Donc quand je vous disais que la jouabilité, c'était fallait être maniaque, là par exemple, vous voyez, pour réussir ce saut, j'ai intérêt à me mettre tout au bord, c'était ça l'astuce, hop, à reculer juste d'un pas, et ensuite à pousser vers l'avant et sauter en même temps. Parce que si je saute pas juste au bord, je risque de tomber dans le vide. Et il y avait des trucs vraiment super vicelards. Là par exemple, je vous en ai trouvé un qui était quand même pas mal. Attendez, que je me perde pas, j'essaye d'être concentré, parce que le premier Tomb Raider, je peux vous le dire, il fallait être concentré. Si je tombe dans l'eau, là je retourne au pied de la cascade et il faut que je recommence. Ce qui sera pénible pour nous tous. Donc regardez bien, là si je saute tout droit en face, je vais me cogner la tête contre le plafond et ça va pas marcher. Donc je me mets au bord, je vais devoir sauter en diagonale. Évidemment, avant de réussir ça, il faut faire de l'expérimentation. Ça veut dire qu'il faut tomber, mourir et machin, et c'est extrêmement pénible. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de sauvegarde. Il y avait des sauvegardes, il y avait des cristaux pour sauvegarder, on va en voir un tout à l'heure d'ailleurs. Et si on se plantait, bah voilà, on avait le droit de recommencer au checkpoint d'avant qui était 3 heures avant. Là, regardez bien, si je fais le même coup que tout à l'heure, je saute avec de l'élan, je vais me cogner dans le mur d'en face, elle va tomber, elle va dans la cascade. Ça, c'était super pénible. Donc il faut que je saute, mais sans élan. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Ah bah voilà, j'ai raté mon saut, je sais même pas pourquoi. Je sais pas ce que j'ai voulu faire. Donc là, je suis obligé de recommencer depuis le début, alors que j'étais presque arrivé aux engrenages. Bon, je voudrais pas trop perdre de temps non plus sur ce Tomb Raider. Donc on va laisser là Lara, je vais pas me retaper toute la cascade et tout. C'est quand même très joli, on va la laisser se noyer peut-être. Bon, je vais la remettre sur la terre ferme, histoire que... Parce qu'on l'aime bien quand même, donc on va pas lui faire subir les pires outrages. Allez ! Elle nageait difficilement à l'époque, tout ce qui était nage, c'était un petit peu compliqué. Tu veux pas monter ? Voilà, tant pis pour toi. Allez ! On revient ! Là, c'était 1996, retour vers 2007. Alors regardez, c'est quand même plus agréable. Si je veux grimper à une échelle, hop, je saute dessus et ça se passe bien tout de suite. Je peux même accélérer le mouvement en tapotant sur triangle et elle grimpe plus vite, elle s'agrippe plus vite, etc. Alors là, regardez, il y a un levier. Si je le mets en marche, ça va faire partir le petit bout de bâton là. C'est un bout d'engrenage, sauf que j'ai pas mis l'engrenage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'engrenage dedans. Je me mets à côté, tac, j'appuie sur triangle. J'utilise mon engrenage et maintenant je vais pouvoir monter le levier, tac. Et regardez bien, ça va repartir, ça va faire bouger tout un tas d'engrenages et ça va faire bouger des plateformes qui vont me permettre d'accéder à un autre endroit. Et avec ça, on va aller voir des dinosaures. Bah oui, j'avais envie de me faire plaisir et de vous faire plaisir, donc on va aller voir les dinosaures qui étaient un grand moment dans le premier Tomb Raider. Donc vous voyez, j'ai fait tourner cette roue, la roue de la fortune maintenant, il faut que je réussisse à m'accrocher. Allez, saute ! Fais pas court, faut rester, saute. C'est de ma faute aussi, je mets pas très bien les caméras. J'avais oublié de vous faire voir que sur le premier épisode, on ne pouvait pas gérer les caméras du tout. Voilà! Regardez ça. Elle a appris ça de Prince of Persia, je pense. Cette espèce de grâce et d'élégance aux barres parallèles. Maintenant, elle est vraiment très très douée pour ça. Il faut quand même faire gaffe à attraper la bonne barre. Voilà, là c'est pas mal. Hop! C'est un peu justos, hein. Vous avez vu, je suis passé quand même. On va attendre que la roue fasse le tour et on va aller choper l'échelle qui se trouve en face. Quel athlète! Quel bel athlète! Je suis sûr que Nelson Montfort serait en train de fantasmer à fond. La petite Yougoslave dans sa tenue moulante nous fait une très belle démonstration. Alors regardez, là, clac, pareil, il faudrait que je rajoute un des deux rouages que j'ai trouvé, mais c'est plus tard, en fait, il faut revenir à cet endroit-là. Moi, je voudrais d'abord vous faire voir les dinosaures.
Donc on va faire le tour. J'aurais pu partir vers la gauche, on va partir vers la droite. On va aller dans la vallée perdue. Et là aussi, souvenez-vous, à l'époque, c'était une sacrée surprise de tomber sur des dinosaures dans le premier Tomb Raider. On va voir s'ils ont un petit peu évolué. Voilà, vous avez vu comment elle se raccroche. Donc normalement, je devrais sauter par là-bas, mais ça, on ira plus tard. Là, il faut que je réussisse un saut qui me demande beaucoup de concentration. Donc je vais me taire un petit peu. C'est les sauts en diagonale, pour moi, c'est les pires. Et ben voilà, là, c'est réussi. Avec l'ancien Tomb Raider, j'aurais peut-être pas réussi aussi bien. Voilà, maintenant, je monte d'un cran. Et on va essayer de choper cette cordelette. J'essaie de bien me mettre en face pour pas faire le couillon. Voilà. Voilà, parfait. Et maintenant, on va faire tourner Lara autour de la corde, histoire de se balancer du bon côté. Voilà. Allez, parce que je sais que ça vous fera plaisir. Un petit coup de fesse. Attention. Hop, voilà. Et c'est parti. J'arrive en haut de la corniche. Donc je la trouve bien modélisée, elle n'a pas vieilli, elle ne vieillit pas d'un poil, Lara, c'est vrai, chaque année, elle est toujours de plus en plus jolie. Elle a peut-être un peu grossi, regardez, je vais lâcher. Clac, en fait, elle a pris du poids, donc maintenant quand elle tombe, des fois ça fait tomber des bouts du décor. Faudrait surtout pas que je tombe moi, au lieu de dire des conneries, j'étais parti droit dans le vide. On va passer par là. Donc tout à l'heure on a tué des loups, qui est quand même une espèce en voie de disparition. Lara, qui est archéologue, a un grand plaisir, je sais pas pourquoi, à buter que des espèces en voie de disparition. Maintenant, ça va être un ours. Des ours, on se fait chier à les réintroduire dans les Pyrénées, et elle les bute. Regardez, il va apparaître au coin de la rue. Voilà. Et je vais essayer surtout de pas me faire bouffer. Voilà. Je pourrais grimper un peu en hauteur si j'étais plus malin. On va quand même le tuer, l'ours. Vous avez peut-être vu, alors vous voyez, ça se loque pas très bien, ça se verrouille pas très bien la cible parfois. Et là, je suis dans un endroit étroit, donc j'ai un peu du mal à voir ce que je fais. Je suis toujours trop près de lui, j'ai du mal à reculer. Voilà, ça y est, c'est eu. Et la musique s'énerve, vous avez vu, quand il se passe des trucs, ce qui fait que ça fait un peu grande aventure, ça fait vraiment Indiana Jones, c'était ça au départ d'ailleurs, Lara Croft. En gros, ils n'avaient pas les moyens de faire la licence Indiana Jones, donc ils ont fait leur Indiana Jones à eux, qui est une fille, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, alors regardez, elle se suspend langoureusement à des poteaux. Un peu comme Prince of Persia, il fait ça très bien aussi. Voilà, et là je vais essayer d'attraper la corniche derrière. Et là on va voir un des nouveaux mouvements de Lara, un truc qu'elle savait pas faire avant, c'est s'écraser comme une merde. Non, ça c'est ma faute. Vous avez vu, n'empêche, les mouvements du personnage. Alors techniquement, on appelle ça le système de ragdoll, c'est-à-dire de poupée de chiffon, littéralement, qui permettent de donner au corps d'un personnage des mouvements en fonction du décor. S'il tombe dans un escalier, il va s'aplatir sur l'escalier. Petit truc technique pour masquer mon incompétence. C'est lamentable. Donc j'ai raté mon saut, comme quoi vous voyez que ça peut arriver. Et maintenant, je suis perdu. C'est-à-dire, je sais plus quel côté aller. Ah oui, ça y est, c'est par là. Excusez-moi. Donc, notez au passage qu'il me remet au checkpoint, il me met au truc juste avant, quoi. C'est-à-dire qu'il a fait une sauvegarde, sans rien me dire, juste avant, ce qui fait que je recommence pas trop loin. Du coup, il a remis l'ours. On entend la musique, ça veut dire que l'ours est dans le coin. Mais voilà, j'ai pas à me retaper une sauvegarde comme on faisait avant. Il fallait atteindre un cristal pour sauvegarder. Et parfois, on se faisait buter à 2 cm du cristal, on était un petit peu dégoûté. Voilà, donc là on nous remet un peu avant. Bon, je vais essayer de pas rater ce saut là. Voilà. Voilà. Allez, grimpe. Voilà, ça non plus, elle savait pas faire. Allez, je vais sauter et nous faire une petite démo d'équilibre, regardez. C'est joli ça. Si jamais elle perd l'équilibre, il faudra que je tapote sur triangle pour lui faire retrouver l'équilibre. Voilà, des choses qu'elle ne savait pas faire avant. Là, on va descendre et on va enfin arriver à la vallée perdue. Ah non, j'ai encore un petit truc à faire. Faut que je passe par ici. Ah ouais, c'est un passage un peu difficile pour moi. Heureusement, vous avez vu, checkpoint. Comment ils ont dit en français? Si je suis pas concentré, ça va être difficile. Donc voilà, j'ai mon petit point de sauvegarde. Je pourrais revenir là si ça tourne mal. Et ça va sans doute mal tourner. Ou pas. Oh, dis donc, j'ai réussi. Vous avez vu, j'ai glissé. Il fallait que je me raccroche in extremis, que je saute avant de tomber en bas. Sinon, je me serais écrasé comme une merde en bas. Voilà. Hop. La corniche, voilà. Des fois, il faut être un petit peu concentré, donc c'est difficile de vous parler en même temps. Je sais bien que c'est une bonne excuse, mais essayez chez vous, tiens. Essayez de parler à des potes ou de parler au téléphone pendant que vous jouez à Tomb Raider. Vous allez voir si c'est si facile. C'est bien, hein, je suis à la maison, c'est facile pour moi. C'est comme à la maison.
Mais c'est pas si facile que ça en a l'air. Voilà. Donc je saute de corniche en corniche. Un peu de patience, on arrive bientôt au dinosaure. Mais il va falloir se taper des chauves-souris avant. Ce qui est toujours très pénible. Vous voyez, je suis à 2 cm des chauves-souris, j'ose pas trop bouger parce que je me dis si je bouge, je risque de tomber dans le vide. Je vais ramasser, voilà, un petit medikit. Alors c'est pareil, dans le premier Tomb Raider, pour ramasser un truc, il fallait vraiment avoir les deux pieds au-dessus. Si vous étiez à 1 mm du truc, ça ne marchait pas, vous pouviez pas ramasser les objets. Là, vous êtes à côté à peu près, ça fonctionne, c'est quand même le principal. Bon allez, cours Lara, cours. C'est pas cours Forest, c'est cours Lara. Pour qu'on arrive aux dinosaures. Donc ça, c'était quand même un truc monumental dans le premier Tomb Raider, souvenez-vous. D'ailleurs, sur la PlayStation, il y avait une petite démo qui était livrée avec la PlayStation 1. On voyait un dinosaure en 3D et on était fasciné. Ben voilà, on va retrouver à peu près le même. Regardez, là, des petits dinosaures d'abord. On s'échauffe, c'est juste l'échauffement. Et vous avez peut-être vu apparaître en bas de l'écran une petite touche. C'est une sorte de ralenti, de bullet time à la Max Payne qui permet de faire des trucs super quand on nous en laisse le temps. Je vais essayer de le faire, vous allez voir. C'est-à-dire que les trucs s'énervent. Je vais pouvoir... Quand on énerve une bestiole, en fait, on a droit de ralentir un peu le temps pour essayer de viser un peu mieux. Et là, voilà, regardez. J'ai sauté sur le côté au ralenti et j'aurais pu toucher l'œil, par exemple, et le tuer en un coup. Je vais essayer de le refaire. Ah, ça y est, je l'ai buté. Mais il y a une deuxième fournée, donc voilà, je vais avoir l'occasion de vous le refaire. Je reste concentré pour pas me faire buter non plus. Comme ils sont trois, voilà, hop, je saute sur le côté. Et vous avez vu, il y a une cible qui s'est loquée sur l'œil. Ça aurait pu me permettre de le tuer d'un coup. Mais j'ai raté. On sait jamais à quel moment ça va se déclencher le truc. Voilà, ça va un peu mieux quand je parle pas. Je vais faire très gaffe, je vais peut-être prendre un medikit. Parce que si ça tourne mal, je vais pas recommencer cette séquence. Vous voyez, là, je viens de me taper... Voilà, ça y est, j'ai eu les petits manœuvres, hein, gros, regardez bien. C'est magnifique. Ah non, faut que je surveille l'écran parce qu'il y a un quick time event. Je déteste ça. Regardez bien, les quick time event, c'était on vous demande d'appuyer sur des touches au bon moment. C'est stupide. Ah, la voilà la vilaine bestiole. Et il a pas l'air commode. Alors attention, voilà le quick time event qui arrive. Attention, là je dirige rien. Hein. C'est une séquence cinématique. Tac, rond. Pourquoi? Pour faire une roulade, rond roulade, c'est logique. R1, peut-être pour tirer. C'est logique aussi, mais je trouve ça débile. Et croix pour sauter. Voilà, c'est un peu débile. Ça permet de faire des séquences super graphiques et tout, mais j'aime pas ça du tout. Je préfère l'action, la vraie. Donc on va friter ce dinosaure. J'espère que ça va pas nous prendre des plombes. Je vais tout de suite prendre un medikit. Voilà, histoire d'aller mieux. Ah, il m'a bouffé la moitié de mes points de vie. Voilà. Et alors regardez bien comment ça se passe. Là, je vais peut-être réussir à vous faire voir un peu mieux le quick time event. Bon, j'ai raté parce qu'il m'a un peu bousculé. En haut, il y a sa jauge de points de vie, qui est quand même presque au maximum. Donc ça va pas être facile. Donc je lock ma cible, voilà. Et quand je lui tire dessus, je l'énerve. Vous voyez, là il est très énervé. Ah mince. Et quand il est énervé, ça déclenche... j'ai changé d'arme, j'y vais à coup de fusil à pompe, c'est pour ça que ça prend du temps. Quand il est énervé, ça déclenche cette espèce de ralenti. Je vais essayer de bien vous le faire, regardez. Là il est énervé, la barre rouge en dessous, c'est son énervement. Donc je vais le laisser venir. Je saute sur le côté. Et je tire dans l'œil, vous avez vu? Faut bien attendre que la cible se verrouille d'elle-même. Si j'ai de la chance, il va être aveuglé et il va aller se vautrer dans un des trucs avec des pics derrière. Et allez, allez, allez. Hop. Voilà, sauf que là, j'ai pas sauté à temps et je me suis fait niaquer. Allez, je reste concentré, on va essayer de le buter. Donc il est spectaculaire, sauf que à l'époque de Tomb Raider, c'était vraiment super spectaculaire. Mais aujourd'hui, depuis, on en a vu d'autres des dinosaures, on en a vu dans King Kong, qui était super impressionnant. Et puis surtout, on a eu Shadow of the Colossus, où il y avait des trucs de 30 mètres de haut, qui étaient absolument fabuleux. Donc il fait un peu rikiki le T-Rex, alors qu'à l'époque, c'était vraiment un grand moment d'émotion. Ah voilà, il est un peu aveuglé. C'était vraiment un grand moment d'émotion. Là, je le trouve un peu étriqué, ils auraient pu le faire deux fois plus gros, ça aurait pas fait de mal, quoi. Allez, j'essaie de l'énerver. Ah, à chaque fois, j'arrive pas, parce que je suis coincé dans le fond du décor, là. J'aimerais bien vous le buter et qu'on passe à autre chose, surtout qu'il reste pas beaucoup de temps et j'aurais bien voulu vous faire voir un autre petit passage qui était sympa. Voilà, ça va prendre des plombes. Allez, allez, tire. Voilà, vous voyez ces espèces de trucs avec les pics là, faudrait que j'arrive à l'inciter à venir se planter dedans.
Voilà. Voilà, il aurait pu se cogner dans le truc derrière, il l'a pas fait. Je trouve ça très injuste. En fait, j'aimerais bien passer ce truc pour vous faire voir. Ah bah pourtant, ça va être long. Je sens que ça va être long, donc je préfère vous faire voir un autre niveau. Je vais peut-être la laisser se faire bouffer carrément. Ouais, je vais galérer, c'est pas la peine. Allez, fais-toi manger, tant pis. Et je vais aller chercher un autre niveau, c'était mon idée. Je vais charger ma petite sauvegarde. J'ai pris des notes, j'ai des anti-sèches maintenant, pour vous faire voir ce qu'il y a écrit dessus. Tomb Raider, voilà, c'est tout ce que je dois faire. On a l'impression que c'est improvisé, en fait, pas du tout. Si, c'est improvisé dans ce qui se passe, parce que je sais jamais vraiment ce qui va m'arriver. Mais voilà, après, j'essaye de me dire, tiens, je vais leur faire voir ça, c'est plutôt sympa. Et là, il y a deux choses qui ont marqué les gens dans Tomb Raider, c'est les dinosaures et la grosse bouboule. Donc, on va vous faire voir la grosse bouboule. Regardez, c'est une variante de la grosse bouboule, mais qui était déjà dans le premier épisode. Là, c'est un niveau, je suis en haut d'une tour immense, et tout le long de cette tour, il y a des portes avec des dieux de la mythologie. Il y a Midas, il y a Damoclès, il y a Zeus, je crois, il y a Poséidon, etc. Et là, c'est Atlas, avec sa grosse bouboule. Donc, on va essayer de lui faire tomber sa grosse bouboule des doigts, parce qu'il faut que j'aille chercher une relique qui est cachée derrière ses pics, vous voyez. Et je ne peux pas y aller, pour le moment. Donc, je vais sortir mon flingue et tenter une cascade. Mesdames, messieurs, je vous demande une minute de silence, parce que ça va pas être facile. Voilà, regardez, j'ai tiré sur le premier interrupteur, ça enlève une partie des pics, mais il reste l'autre partie des pics. Donc je vais me mettre bien au milieu, je vais bien viser pour pas rater mon coup, et après je vais me barrer vite fait, voilà. Bon attention, là il va falloir que je cours, et j'espère que je vais pas rater. C'est toujours pareil, j'y arrivais à l'entraînement. Regardez cette scène, c'est génial, c'est vraiment Indiana Jones quoi. C'est très inspiré d'Indiana Jones. Hop, barre parallèle, hop, petit saut, yes. Et j'ai réussi, c'est quand même super. Donc après, pour revenir de l'autre côté chercher ma relique, il faut que je pousse cette espèce de tournevis. Vous voyez, regardez, ça referme derrière le sol. Voilà. Dépêchons-nous, parce que ça va pas durer longtemps. Hop, je saute, et je vais aller récupérer la relique. Donc c'est ça, c'est ces grands moments qu'on aime bien dans Tomb Raider, et là on en retrouve plein. Avec à chaque fois des énigmes, vous voyez, c'était assez malin. C'est pas très malin de devoir tirer sur deux trucs différents pour réussir à récupérer... La clé d'Atlas, parfait. Voilà, il faut vraiment réfléchir sur plein de trucs. Et moi, c'est ce que j'aimais dans les Tomb Raider, et c'est ce que je retrouve vraiment là. C'est comment se sortir de chaque situation. C'est pas si facile que ça à chaque fois. Là, vous avez vu que le truc s'est refermé, enfin c'est à nouveau ouvert, donc il va falloir que je le referme pour pouvoir passer. Je vais prendre un petit medikit, pourra toujours servir. Voilà. Et je vais le baisser. Je vais pouvoir retourner de l'autre côté. Je vais vous faire voir aussi, c'est marrant parce qu'ils arrivent à faire des variantes plutôt sympas. Tous les niveaux comme ça, Damoclès, Zeus, Poséidon, etc. Se franchissent un peu de la même façon avec des portes, mais il y a toujours une petite astuce. Là par exemple cette porte, il faut que je la baisse avec le levier. Je vais m'y suspendre pour suivre la herse qui se lève en même temps. Voilà, et là il faut que je passe dans le trou. Mais je peux pas parce que vous voyez c'est bouché, donc ce que je vais faire c'est que je vais sauter sur la barre parallèle de l'autre côté. Et ensuite faire demi-tour pour revenir. Et chacune des portes qui donnent accès au dieu a une petite astuce comme ça différente. Des fois c'est une question de timing, des fois c'est une question de trouver une corniche qui est sur le côté, etc. Donc tout se ressemble, mais à chaque fois des petites variantes. Et des variantes très malines. Donc vraiment, il est très réussi ce Tomb Raider. Il y avait longtemps qu'un Tomb Raider n'avait pas été réussi comme ça. Donc je vous le recommande plus que chaudement. Moi ça a été un plaisir de reprendre l'aventure et de retrouver Lara Croft. Alors hop, je vais la faire sauter au milieu, on va s'arrêter là. C'était pour vous faire voir cette tour qui est quand même vertigineuse. Ah tiens, elle bat des ailes. Alors, oui, il y a des petits bugs encore de temps en temps. Voilà, je vais essayer de vous faire revoir. Non. Vous voyez, elle bat un petit peu des ailes. Et quand je fais l'andouille, elle se rattrape quand même une extrémis à une corniche. Ce qui est plutôt sympa de sa part. Bon, je vais me mettre au sommet d'une corniche. Non, je vais mourir plutôt, voilà, tiens, ça fera une jolie fin. Bon, on va s'arrêter là pour Tomb Raider Anniversary. Vraiment un grand jeu, avec des décors vertigineux. C'est le remake du premier, donc on retrouve tout ce qu'on aimait dans le premier. Et moi, j'ai adoré. Voilà, je vais me mettre juste au bord pour vous voyez un peu cette tour, parce que je la trouve vraiment superbe. Allez, juste encore 2 secondes. 2 secondes, s'il vous plaît. Restez avec moi 2 secondes. Ensuite, vous aurez... Voilà, regardez comme c'est profond. Regardez comme c'est vertigineux. Voilà, Lara est au bord d'une corniche. On dirait une espèce de plongeoir de plongeoir, on va la laisser suspendue, allez, pour terminer. Voilà, c'est tout.
Bon anniversaire, Lara, et merci de nous avoir offert cette magnifique aventure qui est une des plus réussies depuis longtemps. Tomb Raider Legend était très bien, mais il était un peu court. Là, celui-là est parfait. Donc bravo, Lara, à la prochaine fois. Je vous laisse, je vais la rejoindre dans le lit. Et je vais manger son gâteau, tiens. J'avais dit que je mangerais son gâteau, à la tienne. Bien dégueu.